Retourner à la salle de passage de tir. Ah, parce que là, ça va être... Enfer et damnation, bien vite. Je ne devrais pas être là. Ça gèle ici. Vite, donne-moi tes lames. Pourquoi? J'ai dit que je t'aiderai et je vais tenir parole. Allez! Mes outils sont à Midgard. Je reviens tout de suite. Le gars, il passe comme il veut. Je viens pas te les voler, tu es sûr? Et voilà. Maintenant, elles sont prêtes pour les vents d'Oel. Vise juste ce petit truc magique lumineux avec tes lames et lance. Ah, c'est le truc qu'on n'arrête pas de voir aussi, ça. Ok, donc on a une nouvelle clé. Vents d'Oel, les vents d'Oel sont extrêmement instables. Vous ne pouvez les retenir que 10 secondes avant qu'ils retournent dans le dernier piège avant. Maintenant, vise ce piège avant avec tes lames. C'est une petite capuche. Maintenant, tu peux capturer et libérer les vents d'Oel quand ça te chante. Bon. Ok. Ok, très bien. En gros, on met de l'énergie d'un côté vers l'autre. Ce qui se passe dans sa tête. Nous sommes partis depuis trop longtemps. Il y avait un coffre, non? Ouais, c'est ce que je me disais. Ok, donc en fait, c'est des espèces de générateurs. Faut passer l'énergie d'un générateur à un autre. Ça me stresse. Hein. On peut rien faire avec ce truc? Bon, le pont est cassé. C'est pour un DLC, tu vois. Ah, attends, il y a un truc qui est apparu. Voilà. C'est pour un DLC. Alors. Ah oui, l'énergie est transférée. Lui, il a plus d'énergie. C'est pas du duplicata d'énergie. Ah, j'ai cru que c'était des ennemis. Autant pour moi, désolé. Mea culpa. Alors attends. Ah oui, je peux le voir là. Et tutti quanti quoi. Oh non. Oh c'est incroyable. C'est quand même très drôle. Avouons-le. Une range tout à fait acceptable. Cauchemar de glace et cauchemar peuvent utiliser le même pouvoir glaçant que les Eléens. Si elles nous touchent, ces attaques nous ralentissent. Ok. Pas de soucis, mon gars. Nouvelle astuce. Les Eléens semblent tirer leur force de la glace, ce qui rend la hache de PR inefficace contre eux. Heureusement, il est aussi fort avec ses poings. On devrait utiliser du feu. Ah bah, incroyable. Ah, ça aussi, ça nous ramène. C'est incroyable. C'est excellent. J'arrête pas de croire que c'est les ennemis. Oh bâtard. ...76, presque autant que le boss qu'on a battu avant. Ah attendez. Parce que là je peux récupérer l'énergie ici. Ah les bâtards. Les bâtards, je peux pas récupérer l'énergie qu'il y a ici. Je peux pas la mettre là. Ça sert à quelque chose, je n'en sais rien. Les saligots. Désolé, mais je suis encore sous le coup de ce que j'ai appris tout à l'heure. Zeus était ton père. Pas maintenant. On doit trouver un moyen de quitter Helheim. Je suis entièrement d'accord. Je vais me contenter de méditer en silence sur cette information. Oui, parce que je crois que Kratos, c'est le... Holy brocoli, mais ça va pas marcher si je fais ça. Bah oui. Ah bah y'en a un là. Il me semble que Kratos c'est le fils de Zeus et d'une mortelle. Du coup c'est un demi-dieu. Je dis peut-être n'importe quoi. Et ça explique qu'il soit à Sparte. Qu'il soit pas à l'Olympe avec les dieux et machin quoi. Un peu comme Hercule quoi si tu veux. Il est sur Terre. Un vagabond ? Et lui, il a pas de... il a pas de bouclier, lui, hein. Lui, c'est la bonne grosse espadon, hein. Oh, bâtard.
Ah, il m'a aveuglé. Oh, j'avais pas le bon timing. Oh, 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 je m'attendais pas à 3 coups. On s'éloigne. On revient. Allez, la bonne brûlure. Ça qu'on veut. Manche de guerre mortelle. Pommeau de lame. Don de force à chaque élimination. Le gain de stat. On va pas se poser la question trop longtemps. Vagabond aidé, hein. Je ne pensais pas que les vagabonds pouvaient être pires, mais même la mort n'a pas voulu de celui-là. En effet, il est encore plus agressif que les autres vagabonds qu'on a vus. Il faut croire que même eux peuvent devenir des éléas. Trophée macabre de vagabond. De l'argent. Fragment d'armure de vagabond, plus 2. Somme toute, très bien. Ah, on nous dit les choper justement. Ah, c'est tellement pratique. Cauchemar de glace, ils regardent en l'air avant de projeter leur projectile de glace. Dans ce cas, nous devons nous éloigner et les frapper d'un lancer de hache ou d'un tir de flèche. Non, avec les lames du chaos, je te dis, mon gars. C'est comme ça qu'on fait. Oda. Ido. Très très bon. Ah, bâtard. Chose Hélène, leur pionnage aérien peuvent nous ralentir s'ils s'envolent, mais vaut s'écarter. Allez. Voilà. Ça qu'on veut. Voilà, on les one-shot quand même avec ça. C'est beaucoup mieux. Que tous les petits coups qu'on peut leur faire là. Bijoux de famille. Vous m'en direz tant. J'ai entendu des histoires sur des morts qui emportaient avec eux des offrandes à Helheim. Je me demande s'ils ont perdu ceci. Mère ne portait pas ce genre de bijoux. Je n'en avais encore jamais vu. Je suis sûr que Brock voudra nous les racheter. Mais oui. Bien entendu qu'il voudra nous les racheter. On a combien d'XP là? 13 000! Ah, les bonnes lames du chaos, une page en plus. Et on nous a enlevé l'arc de d'Atreus. Alors, combat au corps à corps. Ah là, c'est pour le sprint. Combat élémentaire. On va le rapport avec les éléments, mais... Déjà, on va prendre le sprint. Ensuite, R2. Ensuite, lorsqu'on vise... Ah, j'ai déjà acheté ça, oui. Enchaîner rapidement vos coups sans subir de dégâts.
Pour charger. Ah oui, donc là on charge. Ça c'est énorme. C'est énorme parce que c'est un passif, du coup c'est très très bien. Viser, appuyer sur R2. Ça j'y penserai jamais, mais pourquoi pas. Voilà, on a tout le truc niveau 1. On va quand même continuer d'acheter des trucs pour la hache. Hein. Parce qu'on l'a presque maxé. Voilà. Elle est maxée. J'utiliserai jamais toutes ses compétences, mais au moins on les a. On les a, on est très content. Au moins si j'ai besoin d'apprendre à les utiliser, je les ai déjà. On va garder le reste pour améliorer les lames. Dès qu'on aura les objets pour passer les niveaux aussi. Parce que je sais pas si on a les items qu'il faut là. Je pense pas. Retourne vite voir ton fiston. Oui. Bon, on va voir. Est-ce que j'ai l'objet pour améliorer mes lames du chaos pas, les gosses sont costauds. À son âge, je me suis coupé la tête propre et pour de lame. Et je m'en porte pas plus mal. Ouais, non, en fait, j'ai juste gagné un nouveau pot de lame, mais c'est tout. Ah oui, et puis on peut en fabriquer plein de nouveaux. Comme d'habitude. Donc non, je peux améliorer. En même temps, un machin de magma là ou de flamme ou je sais pas quoi à l'intérieur de d'un monde de glace, bon. Retournons vite à Midgard avec le cœur. Donc ici. Alfheim, non. Jotunheim, non. Panaheim, non. Mespelheim, non. Je suis parti de mauvais côté, en fait. Quoi c'est de me dire. Ou alors c'était là, à la base. Mince, c'était quoi? C'était Midgard? Je l'ai passé. Ça se trouve, j'ai dit Midgard, non. Mais il est où? Je trouve pas. Ah, mais Midgard est au milieu! Oh là là. Mais quelle idée aussi! D'en faire un seul qui marche pas de la même manière que tous les autres. Non. Je me balance accroché à la hanche du fantôme de Sparte. Ne m'appelle pas comme ça. Détrompe-toi, frère. D'après ce que j'ai entendu, le Panthéon l'avait bien mérité. Mais je dois encore me faire à l'idée. Je sais que tu es les dieux, mais tu n'arrives pas à les éviter, on dirait. Je t'interdis d'en parler au garçon. Il ne doit pas savoir. Sauf mon respect, c'est une grave erreur. Il faut qu'il sache. Il ne pourra jamais s'épanouir s'il ne connaît pas la vérité. Il va juste mourir. Je comprends. Un coup de maladie à force de croire qu'il est mortel. Tous les dieux. Et cette haine s'applique même à toi. Mais elle est aussi dirigée contre ton fils. Tu ne le vois pas. Et il le sent. Il ne peut pas lutter contre sa nature. Mais il ne pourra pas non plus la comprendre tant que tu ne lui auras pas dit. Tout est lié. Tu ne lui diras rien. Très bien. Je le très bien en mode, c'est toi qui gères. Bon, d'un côté, si ça tue le gamin, mon gars, tu vas juste participer à la tragédie habituelle. Je l'ai amélioré. Ah bon ? Je suis pas sûr. On en a besoin. Je sais, c'est pour ça que j'ai pris quelques rafales de ces vents de L et que je l'ai rendu bidirectionnel. Tu peux l'emprunter dans les deux sens maintenant. Ah bah voilà. S'il est pas cassé. Dans ce cas, il peut nous mener chez Freya. Excellente idée, frère. Ah bah en fait, les nains, c'est des malades. À faire, mais ça devrait marcher. Ils sont en mode... Je t'ai refait le pont entre les mondes. Maintenant, c'est une porte à double sens. Est-ce que je peux me diriger vers ça? Pas du tout. Ce sont des quêtes. Nous n'avons pas le droit. Dommage. Mais lui, par contre, j'ai pas le droit. Lui, là-bas, au loin. Inaccessible. Mais ils sont quand même tous inaccessibles, il n'y a que celui de Freya que je dois utiliser. Il n'y a que pour l'histoire que c'est bidirectionnel en fait. Écoutez. Si c'est que pour l'histoire, c'est que pour l'histoire. Hein. Je vais pas en faire, moi, des histoires. On va prendre la porte, et puis on va y aller tranquillement. Vous savez voyager, mes amis. Pendant que Mimir continue de se faire à l'idée qu'il est quand même à la ceinture du fantôme de Sparte. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Déjà, pour être à la ceinture de quelqu'un, c'est compliqué.
Alors que nous passons à un temps de chargement déguisé et totalement délectable. Ah, la bonne porte. La bonne porte qui fait plaisir. On arrive très très. On approche. Il nous a dit qu'il y avait des ajustements à faire. On doit faire vite. Ah oui, on n'est pas au niveau de la porte. Comme par hasard, on est pile poil au niveau de là où on devrait être. Enfin, pas là où on devrait être, mais là où on aimerait être. C'est quand même bien fait. Le cœur. Tu as réussi. Oui. Pauvre troll qui a rien demandé à personne. Ah, il a presque la couleur de son père maintenant. Je peux stopper la fièvre, mais pour qu'il guérisse... Il doit connaître sa vraie nature. Oui. Ce n'est pas aussi simple. Aide-moi à le relever. Il va y avoir une grosse scène du temps des aveux. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'ai un fils, moi aussi ? Ça fait... une éternité que je ne l'ai pas revu. À sa naissance, les runes lui prédirent une mort absurde. Cet enfant dans mes bras paraissait si petit et si fragile. J'ai su dès lors que je ferais n'importe quoi pour le protéger, quel qu'en serait le prix. Mais évidemment, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. J'ai laissé mes besoins et mes peurs passer avant son bien-être. Et ce n'est que bien trop tard que j'ai compris sa rancœur. Ne commets pas la même erreur. Accorde-lui ta confiance. Je sais que la vérité te pèse. Mais rien n'est simple quand il s'agit de nos enfants. C'est un discours plutôt mature quand même de... Il est maudit. D'assumer le fait que ses choix Mon étaient pour elle. Mon enfant est maudit. Il est maudit par quoi ? Pas sans moi. C'est promis. Parce que c'est ton gamin ou... Parce qu'il y a une vraie malédiction ? Je vais mieux maintenant. Je vois ça. Il est assez fort pour voyager. Pour l'instant. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. Nous y veillerons ensemble. Voilà un salut qui est déjà plus cordial que celui de la dernière fois où on a mis un bon point dans sa porte. On a terminé la maladie, gagné 8200 points. Je n'oublierai pas ce que tu as fait. Promesse tenue. On s'est fait un allié. Merci. Enfin, elle était déjà notre allié, mais maintenant on la reconnaît en tant que telle. Tu devrais rester ici pour te reposer. Tu en as fait assez. Vous savez que ma porte vous est toujours ouverte. Et donc maintenant, maintenant dans les compétences, voilà, on a l'arc en plus. Comme il se doit. Et donc, dans le principe, la ruine noire. Ah, notre nouvelle quête s'appelle la ruine noire. Et il faut qu'on retourne au bateau parce qu'il va falloir qu'on retourne au tombeau du beau tir. Déjà, on va prendre des compétences. Remarque, j'aimerais bien garder des points. Pour les lames. Le truc, c'est que si je gagne 115 points pour les lames,
Remarque, est-ce que j'ai besoin d'acheter ça? Peut-être la rage. Bon, honnêtement, gardons les points pour le moment, comme ça au moins quand on aura les niveaux de l'âme du chaos, on va pouvoir bazarder à fond. Si après on a 40 000 points alors qu'on a toujours pas amélioré les lames, bon, tant pis, on va prendre la page d'à côté, quoi, mais autrement... Autrement, ça me semble pas mal. Je me demandais, pourquoi est-ce que vous vivez sous une tortue? C'était mon tout premier ami à Midgard. Il m'a offert un toit, et en échange, je lui ai offert ma protection contre les esprits maléfiques de la forêt. Un sanglier doré, une tortue géante, vous avez des amis très intéressants. C'est clair. Oui, bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour cette session de God of War dans le... Bah, dans la prochaine session, on va recommencer là où on en était, hein, globalement, vu que... La session d'avant, on a mis la main sur le burin magique pour ensuite aller dans le temple de Tyr pour choper la rune. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va vouloir aller dans le temple de Tyr pour choper la rune. Tout ce qu'on a fait sur cette session, c'est juste un énorme détour parce qu'on s'est retrouvé avec une attaque de j'ai oublié son nom déjà, Mani, un gamin qui tombe malade, besoin d'aller en enfer, retrouver les lames du chaos, bref, on a fait un énorme détour, mais on a gagné une arme dont on se souviendra pour encore des générations à n'en pas douter. J'espère que cette session vous a bien plu. On se retrouve pour la prochaine dès que possible et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous au mieux. Bye.